Hello guys, this is the follow-up on my video about La Cité de Wedo. Guys, if you want to watch that video, there's a pop-up in the top right corner of your screen. You can click on it and you'll be redirected to that very interesting video. So guys, during the tour, I noticed that life is already creeping up along the periphery of La Cité, especially the old project, the Jesuit Villas. Guys, let's face it, this is a remote area. Even though that, both entrepreneurs have taken upon themselves to bring life to this community with their businesses and their service they render to the community. So guys, we are going to talk to one of these board entrepreneurs, let him talk to us about his business and what he thinks about the project La Cité de Wedo, the famous project La Cité de Wedo. Guys, as usual, don't forget to subscribe and like the video. I deeply appreciate your support, guys. I'm MK Cedric, let's go. Toi, te présenter. On vous appelle Simon Boukaré. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis venu visiter le projet de La Cité de Wedo. Et bon, en fait, je ne savais pas qu'il y avait aussi. Bon, je savais qu'il y avait un ancien projet ici, mais je ne savais pas qu'il y avait toujours des gens qui y vivaient, qui avaient des entreprises, ainsi de suite. Donc, vous venez juste de m'instruire que voilà, que c'est vrai, que l'ancien projet est là, juste en face du nouveau projet, et que vous êtes installé ici, vous habitez ici, vous travaillez ici, donc un peu de tout ça. Et mon grand frère m'a dit tout à l'heure que l'ancien projet s'appelait la Z. Eh ben, apparemment, c'est pas finalisé, hein, parce qu'il y aura toujours des bâtiments non finis et tout ça. Oui, l'ancien projet, c'est à la base du propriétaire. La construction est un peu. Ça démarre par rapport aux moyens du propriétaire. S'il investit la totalité, on lui construit sa maison. Donc c'est un peu ça. Ah ok. Donc est-ce que c'est avec l'appui du gouvernement, mais c'est un projet privé? Oui, c'est un projet très privé. C'est privé? C'est privé. Ah, ça je ne savais pas. Je pensais que c'était aussi un projet avec l'appui du gouvernement. Pas du tout. D'accord. Bon, c'est pas mal quand même. Comme c'est pour un privé, il a quand même essayé. Parce que quand même, on voit la nette différence quand même entre le projet du privé et celui avec l'appui du gouvernement et des partenaires privés. Ouais. Donc, mon grand frère, tu veux me parler un peu de la différence que tu vois entre le nouveau projet et l'ancien projet? Donc, il va nous parler un peu du café bar avant de nous instruire sur ce qu'il pense du nouveau projet. Oui, bon, le café bar, c'est le meilleur coin de la région en fait. Et le meilleur coin ici, vous avez tout cultivé. Vous avez toutes sortes de boissons. Vous avez un VIP à l'intérieur. Donc les gars, il y a un VIP à l'intérieur en fait. C'est pas juste le bar dehors. Ouais. Toutes sortes de boissons, du jus, du vin, du champagne, la bière, de l'eau minérale, un peu de tout. Vous avez également assez de dîner. Donc on ne vend pas que de la boisson, on vend aussi du repas. Pour ne citer que quelques-uns, on vend des frites, du riz, c'est très bien fait. On vend aussi du piron, vous voyez des menus africains. Donc bon, c'est un peu ça quoi. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez faire un tour juste. Et au début du nouveau contrat, ici bas les deux projets. Donc nous sommes là. Merci les amis, comme vous voyez, il fait très chaud dehors, mais moi je suis ici. Non mais j'ai fait le tour du projet, je transpirais tellement, j'avais tellement envie de boire quelque chose. Regardez-moi ça. Ok, donc il y a de l'ombre, peu importe l'heure à laquelle vous venez, vous pouvez vous asseoir et prendre du bon temps. Ouais. Et il y a un bar privé aussi à l'intérieur, donc vous voyez. Donc il nous parlait du nouveau projet, c'est ce qu'il pensait du nouveau projet. À mon avis, le nouveau projet est plus réussi par rapport à l'ancien, quand bien même. Ils n'ont pas encore achevé les bâtiments. Mais déjà, à voir le montage de ces bâtiments-là. C'est des bâtiments qui se montent en 2 jours, c'est ça? Mais un jour. Ouais. Et c'est du lourd, c'est carrément rien que du béton. Comparé à l'autre, il y a une différence nette. On voit qu'il y a plus de moyens investis dans ce nouveau projet par rapport à l'ancien. J'espère que ce projet va bientôt. Ils vont bientôt finir la construction des maisons et que les gens vont habiter, que la cité deviendra vraiment habitable. Actuellement, c'est déjà habité, mais ce n'est pas encore ça. Donc, on espère vraiment que dans un futur proche, ce coin sera habité parce que c'est un très bon coin où il y a du bon vent. Il y a un peu de chaleur, mais il y a du bon vent qui souffle. Et il faudrait bien que l'État garde vraiment une oreille sur ce qui se passe là. Que le projet puisse être finalisé d'ici là. Je pense qu'il y a un délai qui a été donné, mais les gens ne respectent pas ça. Si les gens pouvaient respecter le délai, si le travail est bien fait, je pense que les délais
calculé. Quand on donne, on ne donne pas ça au hasard. C'est des trucs bien calculés. Donc, bien prendre soin de ce chantier-là, afin que l'argent aussi du l'État ne n'aille pas en l'air. Quoi. Parce que c'est un temps prévu et un montant, un budget voté pour les travaux qui se préparent là. Quand ça va au-delà du temps, c'est de l'argent en quoi tout ça. Que l'État garde un œil sur ça. C'est un très bon projet, j'apprécie. Donc voilà, je crois que mon frère a bien parlé et très bien parlé. Il a dit des trucs très pertinents, le fait que les délais ne sont pas respectés et que l'État garde un œil sur le projet. Parce que c'est un projet très important et franchement, je pense que les Béninois y tiennent vraiment. Donc voilà, et comme il a dit, c'est une belle cité, mais l'ancien projet, il n'est pas encore habité comme il se doit. Donc avec le nouveau projet, si... et puis de finir à bon temps et que les citoyens viennent y vivre, franchement, ça sera un très bel endroit. Je pense que ça sera une des plus belles cités de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, mine de rien, parce que le projet est immense. Ouais. J'ai fait tout le tour du projet, la première, la deuxième, la quatrième phase. J'ai vu les voies, déjà l'endroit est déjà viabilisé, les voies sont faites, il y a du courant, donc imaginez-vous un peu. Donc franchement, big up au président et au ministre chargé du cadre de vie et du développement, je pense. Et à tous les constructeurs, les contracteurs. Moi, je parle un peu anglais, donc parfois mon français n'est pas très bien. Donc voilà, big up à eux. Bon, merci pour le travail qui est fait et on veut beaucoup plus. Ok. Donc voilà. Bon, en attendant, moi. Surtout que vous abordez, n'oubliez pas de venir visiter. Oui, très important. Oui, café bar, c'est pas perdu du tout. Ok. N'oubliez pas de visiter. Si vous êtes ici, passez par ici, mangez quelque chose, buvez quelque chose, ou même venez juste prendre de l'air. Ok. Voilà, en attendant, moi je vais prendre mon lait caillé, gars. Moi je suis très fatigué, il faut que je mette quelque chose dans le ventre. Merci. Donc c'est du café bas. Allez, bon appétit à tout le monde. Les gars, voilà du vrai lait caillé. Regardez comment c'est épais. Les gars, trop beau. So, guys, I'm done with the. Lait caillé, and now I'm taking a bowl for also, guys. I'm gonna hit this one too, and then we'll see what happens next. Okay, I'm still at the cafe bar with my brother. Okay, so this my cup. You guys are invited. Okay, all right. Yeah, I speak English.